Madame, je n'ai rien à faire dans cette cellule. Vous comprenez? Et puis même, la carte dont vous parlez, précédemment j'ai donné 2800, bon disons 3000, pour faire la carte. Vous ne m'avez jamais remis les 3000. Et la carte ne sort pas. Vous vous prenez pour qui dans ce pays? Hein? Remboursez-moi mes 2800. Pourquoi vous me redemandez 15500 pour une autre carte? Les 2800 précédents sont partis où? C'est parti où? Je n'ai pas de carte. Le récépissé, tu montes, tu descends, on n'a pas de carte. Tu montes, tu descends, ça ne sort pas. Vous, finalement, dans ce pays, vous prenez pour qui là, finalement? Hein? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, je vais rendre visite à ma cousine là, au quartier. Monsieur, il y a un problème au niveau du commissariat, il y a eu un braquage là-bas. On ne voudrait pas que les gens y aillent. Mais je suis au quartier. Pourquoi vous voulez que. Je vous ai dit. Déjà, présentez-vous. Si vous voulez passer, vous allez vous présenter. Je prends votre identification et puis je vais voir si vous pouvez passer dessus. C'est pas possible. Moi je n'ai pas de carte. Je n'ai pas, je n'en ai pas. Et puis je n'ai pas 15 500 francs pour faire ça. Je n'en ai pas. Monsieur, calmez-vous. Laissez-moi. Monsieur, je dis, allez, laissez-moi aller. J'ai besoin de votre CNI si vous voulez passer. Je n'ai pas de CNI, je n'ai pas. Je vous ai dit que je n'ai pas 15 500 pour faire ça. Ah bon? Oh. Quand vous respectez, respectez-vous. Vous, vous me brutalisez. Non, vous vous respectez. Monsieur, si vous continuez sur le commissariat, comment on va finir? Madame, vous me touchez encore, vous allez voir. Ah bon? D'accord. Maintenant, je vais vous toucher. Hé, hey, avancez là-bas. Quand vous respectez, vous ne voulez pas. Madame, vous me faites ça. Hé, avancez là-bas. Vous n'avez pas 15 000. Vous me faites ça à moi, dans cette république. Des individus sont là, ils veulent employer la force. Madame, nous sommes au-dessus de la loi, monsieur. Madame, je n'ai rien à faire dans cette cellule, vous comprenez? Et puis même, la carte dont vous parlez, précédemment j'ai donné 2800, bon disons 3000, pour faire la carte. Vous ne m'avez jamais remis les 3000, et la carte ne sort pas. Vous vous prenez pour qui dans ce pays? Hein? Remboursez-moi mes 2800, pourquoi vous me redemandez 15500 pour une autre carte? Les 2800 précédents sont partis où? C'est parti où? Je n'ai pas de carte. Le récépissé, tu montes, tu descends, on n'a pas de carte. Tu montes, tu descends, ça ne sort pas. Vous, finalement, dans ce pays, vous prenez pour qui là, finalement? Hein? Même l'air là, vous êtes en train de rester là. Même l'air tout à l'heure, vous n'aurez plus. Continuez. Vous me remboursez d'abord mes 2800 que j'ai précédemment dépensé, déboursé, avant de voir si on peut faire l'autre. Et à 15500, ça c'est énorme. C'est énorme, madame. Vous comprenez? C'est énorme. Dans un pays comme celui-ci, c'est énorme. C'est énorme. Vous avez fait quoi de mes 2800? Remboursez-moi mes 2800 au préalable. Remboursez-moi mes 2800. Je ne fais pas de carte. Vous avez compris? Ça, c'est de trop ça. Vous savez comment on veut vous souffrir? Comment on veut vous en sortir dans ce pays? La carte des lecteurs. Hein? La carte des lecteurs qui sort pour rien. On ne dépense rien pour ça. Hein? Regardez comment les gens s'inscrivent. Ils ne déboursent rien pour la carte d'électeur. Ça sort au bout de quelques temps. La carte d'identité, on sort 2800. Ça ne peut pas sortir. Et même quand on dépousse les 2800 pour que ça sorte, c'est un problème. La carte d'électeur est gratuite. Tout à l'heure, pourquoi on paye là, vous n'aurez pas l'air tout à l'heure, monsieur. Attendez. Même l'air là, continuez à jacasser. Pourquoi on paye la carte nationale d'identité à 2800 alors que la carte d'électeur est gratuite? Hein, madame? Justifiez-vous, dites-moi pourquoi. Je n'ai même pas 5 à débourser pour les 15 500. Je vais. Et puis, vous avez des comptes à me rendre, attendez. Vous avez des comptes à me rendre tout à l'heure, attendez. On verra. Qui est en cellule? Ça, c'est pas possible. Et madame, je ne peux pas être de ce pays. Pour prouver le fait que je sois de ce pays, vous me demandez de débourser l'argent aussi énorme. Une somme aussi énorme. Pour prouver que je suis de ce pays. C'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal du tout. Soyez juste un bon citoyen, monsieur. Soyez juste un bon citoyen. Nous tous, nous sommes de ce pays. Hein? On est de ce pays, on est de ce pays. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Attendez. Vous ne savez pas qui vous avez affaire. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous menacez un policier? Je m'en fous. Je m'en fous. Un policier. Je dis, moi, je vous le dis encore. Je vous le dis, madame. Vous allez savoir dans ce pays qui est qui. Vous comprenez? Nous sommes où nous sommes déjà dans ce pays, où nous ne le sommes pas. Ça, vous le saurez. Et vous allez me sentir. Vous allez me sentir. Vous allez me sentir. Oui. Oui.